Eh bien, yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit bilan, enfin même le gros bilan, donc de l'objectif 10 millions en 2 jours en monocompte, donc sur mon serveur classique avec mon personnage principal qui est Sadida. Je tiens juste à faire une parenthèse, hier je vous avais demandé sur quel serveur étiez-vous, vous avez été vraiment des centaines de personnes à répondre, ça m'a fait plaisir, donc j'ai regardé, franchement, vous venez de tous les serveurs possibles, hein. Mercator, Nidas, voilà, il y en a même qui jouent sur Dofus Touch, voilà, Graal qui nous sort Fury, Meriana, il y a quand même pas mal de Meriana en vrai, mine de rien, mais voilà, Grid, etc. Du coup, voilà, bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir, hein. Du coup, moi je sais, bon, il y a même des personnes, voilà, a priori, qui jouent sur Wakfu. Du coup les gars, aujourd'hui on est parti pour le petit bilan, vous allez être plutôt étonnés. Et bah écoutez, ceux qui ont activé, de toute façon là aujourd'hui je vais faire un truc, vous allez voir. Donc d'abord je vais vous montrer combien est-ce que j'ai accumulé en 48 heures. A partir de minuit j'ai arrêté de mettre des trucs en vente en HDV. Ça il faut le comprendre. Donc on va aller, d'ailleurs j'ai bon, j'ai plein de screens à vous montrer. Alors quand je me suis reconnecté vers 16h aujourd'hui, j'ai vendu mon Volcorn turquoise et orchidée à 4,5 millions. Mais ça, bien évidemment, je les ai pris directement sur moi, hein, ça ne compte pas dans toutes les ventes. Voilà. Donc déjà hier les gars, hier, donc je vais vous montrer, donc voilà, il y a beaucoup de riz, pain de Frosties qui sont vendus. Ensuite, quand je me suis reconnecté hier, on a eu 700 000 de ventes ici, on a eu 1,7 million de ventes ici, on a eu 1,4 million, donc ça c'était un petit screen, c'était la nuit dernière ou il y a une nuit et demie. Là regardez les gars, méga screen, ça je voulais pas vous le montrer hier, il me semble que je voulais pas montrer hier. Mega screen, regardez-moi ça, Mega Craft, 2100 pains de Frosties, j'ai farmé comme un malade, tout s'est pas vendu, là il reste quelques pains, bon, quand même sur les 21 j'en ai vendu, enfin sur les 2100 pains j'en ai vendu plus de 1400, là je crois qu'il me reste 700 pains, donc c'est pour vous dire les gars que cet objectif, voilà, donc là petit craft encore, voilà, là c'est tout ce que j'avais en HDV, etc, 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 donc voilà. En tout cas, j'avais quand même plutôt bien farmé. Et donc, bah voilà les gars, on va voir combien est-ce qu'on s'est fait de Kama. Et donc, bah voilà, tadam les gars, 12,5 millions. Comme je vous l'ai dit hier, donc c'était un objectif 10 millions en 48 heures. Sauf que je n'ai pas joué 48 heures. À vrai dire, j'ai eu que deux nuits où j'ai joué. La journée, je ne jouais pas. Je restais connecté, mais le farming était tellement dégueulasse la journée que c'était pas possible en fait. Enfin, c'est pas que c'était pas possible, c'est que c'était en mode tryhard. J'aurais tryhard de ouf pour avoir quelques bois en quelques heures, ça aurait été inutile. Donc au final les gars, durant ces deux jours, je me suis fait 12,5 millions de Kama en monocompte sur le serveur Pandor en deux nuits, en deux sessions de 7h, 7h30. Donc ça fait, allez, on va dire 14 heures de jeu pour 12,5 millions, sachant que parce que j'ai 12,5 millions, mais d'ailleurs je conseille à toutes les personnes qui ont besoin de Kama de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir dans quelques minutes, je vais vous annoncer un petit truc plutôt sympa pour vous. Donc voilà, sachant que il me reste du pain, donc là normalement bon, on a 700 000 Kama en plus, là déjà on montait à 13,2 millions de Kama. Et en HDV ressources, bon, à part le bois de tremble, sachant que j'avais une partie que j'avais déjà farmée avant, les bois ici, je l'ai seulement changé tout à l'heure, mais bon, dans tous les cas, je les aurais pas comptés, ça c'était du bois que j'avais avant. En l'occurrence, j'avais quand même du bois de charme que j'avais un petit peu farmé, ça c'est pareil, le prix change toutes les deux secondes. Aussi, pour les personnes qui disent, oui, mais tu es sur un serveur de malade, tout se vend trop vite, non, je change très souvent les prix. Vous en faites pas, je suis comme vous, les gens changent les prix toutes les deux secondes, voilà. Le tremble, je l'ai changé il y a une heure, il y a déjà une personne qui a déjà changé. Donc vous en faites pas, moi aussi je suis confronté à ça, mais j'arrive à vendre parce que je change très souvent les prix. C'est aussi simple que ça, et parce que j'ai pas le choix, si je change pas les prix, je ne vends pas. Enfin bref, du coup les gars, j'ai une très bonne surprise à vous annoncer. Donc le but c'était 10 millions de Kama en 2 jours. Et donc ça a été totalement réussi les gars, j'espère que vous avez lâché un maximum de pouces bleus, parce que bon, c'était pas spécialement évident de le faire en monocompte. Je pensais pas y arriver, hein. Moi je pensais arriver peut-être à 7 ou 8 millions, mais bon, en deux nuits, voilà, ce 12,5 millions monocompte, donc arrêtez de dire que voilà, on peut pas se faire de Kama. Donc les gars, voilà, très bonne nouvelle pour vous, et surtout très bonne nouvelle pour ceux qui ont activé les notifications, et toutes les personnes qui regardent mes vidéos dès qu'elles sortent. Alors là les gars, ça va être nickel pour vous. Je vais faire gagner 1 million de Kama à 3 personnes, c'est aussi simple que ça. Ici vous pouvez voir qu'il y a 12,5 millions. Donc bon, normalement je me serais fait quand même 3 millions. Je vais mettre 500 000 Kama de ma poche personnelle, même si les 12,5 millions sont à moi aussi.
Donc voilà les gars, il y a 3 millions parmi ces 10 millions qui sont au-dessus des 10 millions que je devais me faire, 3 millions qui seront à gagner. Alors voilà, comme je viens de vous le dire, ce sera uniquement pour les personnes, voilà. Vous aurez même pas 24 heures pour participer, donc ça prouvera juste que voilà, les personnes qui regardent mes vidéos très rapidement, quasiment le jour même, eh ben, ils seront récompensés. Parce que dans la vidéo de demain, j'annoncerai bien évidemment les gagnants, les 3 gagnants, donc 1 million chacun. Donc comme d'habitude, j'ai même pas besoin de vous le dire ça de toute façon, pour participer il suffit de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo et à commenter, je participe. Voilà, il y aura 3 gagnants à 1 million de Kama les gars, les 3 millions ils sont là, voilà, je vais vous les garder au chaud. Et puis voilà, du coup on va continuer un petit peu cette vidéo et en même temps je vais vous parler un petit peu de la suite. De la suite du projet que je compte réaliser, parce que demain il y a une petite vidéo que j'aimerais vous faire très tranquillou. Et je vais pas vous dire il s'agit de quoi, parce que ça serait pas non plus drôle. Alors, il est 17h50 et le tremble n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça les amis. Même cette nuit le tremble n'existait pas, il y avait déjà beaucoup de monde. Mais à partir de 5-6 heures, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, j'étais tout seul pendant une heure et demie. Ouais, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je me suis fait aggro 15 fois par le Frosties, pas de Frosties soufflé. Je me suis fait aggro 18 fois, cette nuit, hein, je parle pas en tout, hein, en tout, en tremble, je suis à peut-être 55-60 protecteurs. Mais toujours pas de sève. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude, je prends sur moi, et puis voilà, j'en fais pas tout un plat. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été sympa, ça aurait été sympa... Si jamais je pouvais faire tomber cette sève qui n'arrive pas à tomber, tout simplement. En tout cas, voilà, il y a les 3 millions qui seront à gagner. Bah écoutez, j'espère que ça tombera sur des personnes qui n'ont pas beaucoup de Kama, comme d'habitude. Bon, si c'est une personne qui a déjà 500 millions, je vois pas l'intérêt. Après, attends, ouais, bon, de toute façon, là, c'est tout le temps les mêmes personnes qui farment le truc. Là, j'ai Masramet. On va rejoindre. Hop, je suis direct ici. D'ailleurs, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai... un cougnard, je l'avais déjà sûrement en fait avant. Mais c'est vrai que je le mettais jamais et en fait je le trouve tellement stylé ce cougnard. Oh non, il va me le prendre. Il va me le prendre, non. Oh il est à moi, yes. Ici vous pouvez voir que j'ai un Shigekax Caramel. Plutôt sympatoche. Qui donne 100 pp pendant 15 combats. Mais en fait j'ai d'autres bonbons ici, regardez, vous pouvez voir les bonbons du prospecteur qui sont quand même très intéressants parce qu'en fait les bonbons du prospecteur contrairement aux bonbons Shigekax Mirabel, c'est que le Shigekax Mirabel en fait il dure 30 tours et en fait le enfin 30 combats. Et le problème c'est que si vous faites du tremble, du ginseng, du mandragore, etc. Moi personnellement j'ai pas envie de me faire aggro par un protecteur de mandragore parce que le truc il vaut 45 000 kama. Donc le bonbon j'ai envie qu'il soit utile uniquement pour le tremble et peut-être éventuellement le frosties. Parce que le frosties, ce que je vous ai pas dit c'est que le frosties soufflé, donc c'est le même taux de drop hein, que la sève, ça vaut environ 2,8 millions. Bon la sève ça vaut 15 millions mais c'est pas grave. Mais bon je pense que je le ferai tomber... tout à enfin concernant la sève ou le frosties, peu importe, le frosties c'est sûr j'ai beaucoup moins farmé le truc, mais le frosties au moins le repop est très rapide. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu le repop du frosties, enfin le repop j'ai pas encore fauché aujourd'hui. D'ailleurs les gars, bon je sais pas si je vous l'ai dit aussi, le seigle, le prix a augmenté de ouf ici, mais c'est un truc de ouf. Le seigle, je sais pas pourquoi, c'est sans doute parce qu'Ankama a changé les spots de seigle. Bon pareil, un paysan avant, il y a quelques années je faisais du pain à fond. Bon après voilà. Là, regardez les gars, 17h50, il n'y a pas un seul bois. Bon, j'en ai chopé un, je crois. Un seul bois. C'est pour ça que je vous dis, maintenant, je ne cherche plus à jouer la journée. C'est inutile. Complètement inutile, complètement, complètement, complètement. Parce que moi, mon objectif à l'heure actuelle, c'est la sève de tremble. La sève et rien d'autre. C'est d'ailleurs... Bon, je vous spoil un peu, mais c'est le thème de la vidéo de demain. Vous allez voir... donc là, encore une fois, un tremble épuisé. Je trouve ça dommage, en fait. Bon. Après, le fait que ce soit aussi rare, le fait que le repop soit quand même assez long, c'est pour ça que le prix vaut 15 millions. C'est... Bon. 15 millions, les gars, bah... Bon, c'est quand même... En plus, regardez, il y a quand même pas mal de personnes, hein. Xanti, ça doit faire 2-3 jours, il dit « Bonjour, j'achète bûche ou sève de tremble à... » 10 millions, bon, il a un petit peu rêvé, je vous le dis tout de suite. Il y a des serveurs à l'heure actuelle, pour ceux qui font du commerce inter-serveur. Bon, je sais pas si c'est Hagrid, parce que du coup, on peut pas aller sur Hagrid. Mais il y a des serveurs où c'est bien plus de 15 millions. Hein.
concernant la sève de Tremble. Et d'ailleurs, les gars, bon, ça m'arrive, parce que des fois, je reçois tellement de snaps de personnes, bon, non pas qui drop la sève, mais qui m'envoient en fait des... Par exemple, les ressources que je cherche à dropper ou que je vends directement déjà dans mon serveur, il y a des abonnés qui me le montrent, mais avec des prix trois fois plus intéressants. Par exemple, la sève, il y a un mec... Ah non, c'était pas un de mes abonnés, non, c'était sur Twitter qui avait mis... je sais plus, c'était une sève de Tremble ou c'était une bûche. Il avait vendu 20 millions, le mec. 20 millions, il l'a vendu. Bon, je sais pas, il était sur quel serveur. C'est ça le problème, donc pas bon. C'est sûr que s'il est sur Hagrid, ça serait, j'irais plus compliqué. Après, bon... Il y a même des personnes qui me disent que sur leur serveur, moi je vois tout le temps du Tremble. Bon, moi ça me choque hein, quand il y a des personnes qui me disent ça. Je sais pas si ces personnes, voilà, c'est peut-être des Québécois et dans ce cas-là c'est compréhensible. Parce qu'il y a une différence. Oh là là, c'est incroyable ça. Bon bah les gars, il n'y a pas de Tremble aujourd'hui. Impressionnant, on va quand même aller checker Frigos 3. On ne sait jamais. Oui, donc je disais par rapport aux 3 millions que je compte vous faire gagner. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même que je le dise maintenant pour éviter quand même que je le dise dans les commentaires. Les 3 millions qui sont à gagner, les gars, vous avez même pas 24 heures pour participer. C'est-à-dire que demain, lorsque je ferai ma vidéo habituelle, lorsque je vous sortirai la vidéo, je ferai déjà le résultat du concours. Donc, encore une fois, ça récompense. Voilà, ce concours finalement, il récompense même pas à fond. Bon. Bien sûr que ça va récompenser un petit peu les chanceux, parce que je pense que vous serez sans doute plusieurs centaines de personnes à... Ah, ici un Tremble. À vouloir participer. Bah, 1 million. Bon, 1 million, c'est pas ouf. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, je fais quand même des concours très souvent. Je vais pas vous donner 5 millions à chaque fois. Je pense. Après, bon. Moi, je fais ça juste parce que, de base, l'objectif, c'était 10 millions. Et finalement, j'ai explosé cet objectif-là. 12,5 millions, voire même 13 millions. Et encore, comme je vous l'ai dit, les gars, je n'ai joué que deux petites nuits. Enfin, deux petites nuits. Deux nuits de 7 heures de rush. Bon, c'est pas trop mal, vous me direz. Mais j'aurais pu faire plus. J'aurais pu jouer la journée quand je me réveille à 16 heures. De 16 heures à minuit, j'aurais pu refaire une session de 8 heures. Et là, les gars, ça aurait été pas, je sais pas, 12,5 millions. Ça aurait été peut-être 19, 20 millions de kamas. Imaginez le truc. En deux jours. En monocompte, les gars, je préfère le rappeler. Alors, oui, bien sûr, ça aurait été. Enfin. Je pense pas que ça aurait été 20 millions parce que comme je vous l'ai dit, c'est seulement en pleine nuit où vous avez un réel intérêt, un réel rush en fait. Alors c'est vrai qu'en pleine journée, bon, ça aurait été très compliqué. Hein. La nuit, c'est beaucoup plus intéressant de farmer. Ah, là, il y a quelqu'un qui veut peut-être rusher. Rusher, pardon. Lancer des kamas, ouais. Et ben voilà, regardez le mec, il a vu qu'il n'y avait pas de Tremble, il s'est directement cassé. C'est plutôt marrant ça. En tout cas, les gars, la team qui n'est pas abonnée, du coup, ça doit faire quelques jours, sauf la Sacri qui n'est pas abonnée depuis hier. Là, j'espère trouver du Frosties, comme ça, j'espère me faire un gros devant vous. Et, oh, mais il y a tout le temps le même cra, c'est impressionnant. Duke, le mec, là, il était, bon, je le cache pas du tout, hein. Il a le droit de faucher, il a le droit de, sans doute, vouloir faire du pain. Mais le mec, depuis hier, même cette nuit, il était là, hein. À 4-5 heures du matin, il était là, le petit coco. Donc, il y a de la concurrence sur mon serveur, il y a de la concurrence, regardez, Duke. Mais il a raison, hein. Moi, franchement, je l'encourage. Il a tout à fait raison à vouloir faucher du Frosties. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, maintenant que l'objectif 10 millions en 2 jours est terminé, je sais pas trop ce que je vais vous sortir comme vidéo. J'ai pas envie de réabonner la team maintenant. Donc, s'il y a des personnes qui pourraient éventuellement me donner des conseils en monocompte, dites-moi, je suis preneur. Actuellement, je suis preneur parce que j'ai pas envie de réabonner la team maintenant. Peut-être la réabonner dans quelques jours. Donc si vous avez des conseils monocompte, me dites pas une nouvelle team sur un autre serveur, je le ferai pas. Parce qu'on me le demande tout le temps et que ça me... Je l'ai déjà fait entre guillemets pour la team non abonnée sur Hagrid. Mais voilà. Pour ceux qui auraient des idées, je suis preneur actuellement, donc voilà. Donc là, Duke hein, qui est complètement énervé, qui a... Il a la dalle, il a la dalle. Il a la dalle de Frosty, ça sent, je le sens en lui avec sa petite coiffe chez le mou. Son petit brûlis. Bon. Le Frosties, regardez, hein, là, les gars, il est 18 h. Jusqu'à minuit, il sera farmé. Même si, entre vous et moi, les gars, le Frosties, il a un repas plutôt rapide. Je dirais 15 minutes, peut-être 20. C'est peut-être pas hyper rapide pour vous, mais bon. Je trouve ça plutôt sympa. Ah, le Tremble qui a repop ici. Regardez, hein, quand même, la Sramette qui est quand même plutôt utile. Bah, du coup, je vais aller refaire un tour en haut à droite. Parce que là, vu que ça a commencé à repop, ça serait intelligent d'aller voir éventuellement. Mais bon, c'est tellement farmé le Tremble, les gars, que...
Que voilà, voilà quoi. Voilà. Bon. Oui, donc je vous disais, alors oui, par rapport aux 3 millions, voilà, hein, les gars, vous avez que quelques heures. Étant donné que je vous posterai cette vidéo peut-être pour 19h, quelque chose comme ça, vous avez un tout petit peu moins de 24 heures pour commenter, pour participer, et pour tenter de gagner 1 million. Maintenant, 1 million, moi, je pars du principe où, si jamais ça tombe sur des personnes qui sont sur Pandore et qui sont entre niveau 1 et 50, et voilà, qui commencent le jeu, qui font des métiers à droite à gauche, voilà, qui ont envie d'avancer, 1 million, c'est un très bon début, les gars. Que vous soyez en monocompte ou en multicompte, ici on a un petit tremble. J'espère me faire aggro, les gars. Hier, il y a eu des bugs. Je vous le dis tout de suite. Il y a eu des bugs concernant les aggros. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, j'appelle ça des bugs parce que quand vous fauchez 5 frosties et que vous faites aggro 3 fois en 5 frosties, alors que juste après, vous en fauchez 50 et que vous faites pas aggro une fois, j'appelle ça quasiment des bugs. Enfin, je sais pas. Des fois, il y a des... Je sais pas. C'est des périodes où c'est vraiment très étrange. Des fois où je me fais aggro énormément. Regardez, les gars. 18 trembles en quelques heures de... Enfin, 18 sacs de tremble en quelques heures de... Tiens, je crois que c'est le même... Ouh là là, les gars, Massadi qui a bugué. Ouais, bah... Et ta mère, voilà. Le mec qui farm aussi depuis 2 jours. Mais bon, ils ont le droit de farmer, hein. Tout le monde a le droit. Ça, il faut le comprendre. Bon. Bah, écoutez, les gars, c'est pas top, hein. 18h pour farmer du tremble, c'est pas... C'est pas un truc de ouf, on va dire. Ah, Almost Wiz, bien évidemment. Lui aussi, il farme les trembles. Hein. Maintenant, de toute façon, je les connais tous, hein, les pro-farmers. Mais il y a une petite différence, en fait, vous voyez, entre eux et moi. Vous savez, c'est laquelle? C'est que eux, ils font ça, je sais pas, c'est une hypothèse, après. Hein, bon, sauf pour certaines personnes que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu il y a quelques années, déjà le faire, rusher le tremble. Ils font ça sans doute depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Bon, plusieurs années, je sais pas, parce que je sais pas quand est-ce que la sève de tremble a pu servir au craft des items, là, Elisel, etc. Les cœurs saignants, etc. Je crois que ça fait un peu plus d'un an que ces items existent, hein. Peut-être même encore plus, mais bon. Du coup, avant, la sève de tremble, quand elle a été implantée sur Free Ghost depuis plusieurs années maintenant, elle coûtait rien. Donc j'imagine pas les personnes qui ont vendu ça à l'époque, 50 000 kama. Ça se trouve, il y a des personnes qui ont arrêté Dofus, les gars, et je rigole pas avec ça. N'hésitez pas à aller voir dans vos banques. Si vous étiez bûcheron déjà niveau 200 à l'époque, il y a genre 3-4 ans, le tremble, ça se trouve, voilà, si vous étiez un gros rusher de tremble, peut-être que vous avez en banque 15 millions de kama qui vous attendent, voire même plusieurs sèves de tremble. Hein, pour les personnes qui rushent ça sur plusieurs mois, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est un business de ouf, les gars. C'est ça qu'il faut comprendre. Limite, la sève de tremble, les gars, ça a remplacé le drop du Dofus turquoise. Et je rigole même pas avec ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est jouer sur la chance, en fait. Tout simplement. Bon, bah écoutez, les gars, malheureusement, dans cette session, j'aurais aimé, dans cette fin de vidéo, me faire aggro par un protecteur de ressources. Malheureusement, il n'y a pas assez de tremble dans cette session. Ce qui est quand même très dommage, je suis plutôt dégoûté. Et c'est la raison pour laquelle, juste après cette vidéo, je vais me déconnecter. Je pense pas me reconnecter avant cette nuit, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est inutile, là, en ce moment, je cherche... Voilà, moi, j'attends vos propositions, hein, concernant le... Si vous avez d'autres, objectifs à me donner, pourquoi pas. Après, me donner un autre objectif, objectif 15 millions de jours, ça reviendra au même. Je pense que je pourrais le réussir. Encore que peut-être moins qu'avant, parce que le pain de Frosty se vend un petit peu moins. Mais ça servira à rien, au final je jouerai juste un petit peu plus. Et bon, je pense un petit peu la même chose. Bon les gars, il y a un petit tremble là, juste à gauche. Je vais aller le choper, et puis bah écoutez, on va se laisser là. Et sur ce, bah écoutez les gars, je vous souhaite, hein, à toutes les personnes qui vont participer à la vidéo, je vous souhaite bonne chance, parce que... Bon, on va terminer, allez, sur les deux derniers trembles que je connais, c'est Free Ghost 3... Pardon, c'est pas ici, c'est la zone du compte à rebours. Normalement, ils y sont. Après, bon, il y a des forceurs qui y vont pour deux trempes. Comme moi, je suis un forceur, les gars. Oula, il n'y a pas de personnage ici. Oula là, non, il y a... Non, non, non. Il y a un mec qui est passé, à moins qu'il soit que... D'ailleurs, personnage, les gars, c'est paysan ou c'est... Attendez. Bon, j'en ai pas chopé. C'est alchimiste, non? C'est une plante, personnage. Attendez. Bon, Edelweiss, bon. Bon, bah, regardez, les gars. Il y a le petit forceur de d'habitude qui est passé.
Et ouais, bon bah tant pis pour les deux trams. Ouais, bon bah écoutez, je vais juste regarder paysan ressources. Ouais, non, c'est bien ce que j'ai dit. Non, c'est alchimiste parce qu'il me semblait avoir vu personnage dans paysan, dans céréales, je sais pas. Non, j'étais sans doute trop fatigué. Bon bah écoutez, les gars, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Il y aura trois gagnants. Les trois gagnants seront bien évidemment. Voilà, ils seront récompensés demain. Donc, au hasard, hein, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles et à commenter. Je participe pour tenter de remporter 1 million par personne. Et puis voilà, les gars, voilà. Écoutez, voilà. Et on se retrouve sans doute demain, forcément, pour le résultat du concours et surtout pour une vidéo, voilà, où il y aura un objectif, forcément, où voilà, ce sera concernant le tremble, etc. Je vous dis tout demain, c'est Joystick, les gars. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et surtout, voilà, allez l'OM. Non, je rigole, non, mais ce soir, en fait, il y a OM Paris. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, vous êtes pour qui, si jamais. Et des Parisiens ou des Marseillais. Je pense que ce sera un beau match. Tout ce que je sais, c'est que Mohamed Hennie a parié 2000 euros sur OM ou match nul. C'est un malade, mais que voulez-vous? Peut-être que, pour ceux qui regardent cette vidéo, voilà, ils sauront déjà le résultat. Et que, ça se trouve, peut-être que Marseille va faire un résultat. Peut-être qu'ils vont tenir le nul, on ne sait pas. Enfin bon, voilà les gars, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très vite, c'est Joystick. Ciao, bye bye.